Salut à tous, je suis aujourd'hui avec Annick et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec elle sur vos questions et nous allons répondre à la question de Coach David de la semaine dernière. Avant de commencer, je vais demander à Annick de se présenter rapidement. Bonjour David. En fait, donc, je m'appelle Annick Van Beleghem. Je suis belge. J'ai un long passé de basketteuse nationale. J'ai été retraitée suite à une opération du genou, malheureusement. Et donc, j'ai toujours été intéressée par le travail des jeunes sur le terrain. Parce qu'en fait, la confiance et l'estime de soi se travaillent jeunes. Et donc, pour pouvoir évoluer, il est important de les aider à trouver la motivation, la persévérance, travailler une équipe, un esprit d'équipe. Et donc, je suis très, très, très heureuse de pouvoir à chaque fois répondre à une question sur le mental, puisque je suis coach positif sportif. Et bon, ça peut être des questions qui sont pour des personnes moins jeunes, hein, dans la 20-30 ans, on va dire. De toute façon, le mental et le mindset est présent partout et à tout âge. Oui, tu fais bien de le souligner, Annick. C'est intéressant qu'on puisse échanger parce que, justement, moi j'ai ma spécialité de traîneur, mais sur les questions mentales, je voulais que tu interviennes parce que je sais que c'est ton truc. Et comme tu es aussi basketteuse, c'était important que tu puisses donner ton avis à la question de ce coach. Et puis, on verra aujourd'hui deux questions, hein, la question de Coach David de la semaine dernière et une question d'un joueur aussi qui est très intéressante. Ok. Avant ça, il me semble que tu as une actualité par rapport à tes activités de coach mental. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai écrit deux livres qui sont deux e-books sur les stratégies pour atteindre une estime de soi considérable. Donc vraiment, c'est où je parle de la définition de l'estime de soi, les valeurs de l'estime de soi et l'augmentation de l'estime de soi. C'est quelque chose qui est primordial. Bon, dans la vie de tous les jours, que ce soit en famille, par rapport à l'obésité. Il y a même des joueurs qui, effectivement, certains se sentent mal parce que, bon, ils sont un peu trop, voilà. Par rapport aussi, dans le jeu du basket, l'estime de soi et la confiance est hyper importante parce qu'une fois qu'on a le ballon, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non. Confiance en soi, voilà, on sait ce qu'on va faire, on connaît son jeu, on connaît son équipe, on sait ce qu'on veut, ce qu'on vaut surtout. Voilà, moi j'ai toujours une phrase, c'est tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Et ça, si on arrive vraiment à imprégner ça, c'est magnifique. M'a donné envie de les lire, donc je mettrai le lien dans la description, le ou les liens, pour que tout le monde puisse se diriger vers tes livres qui sont sur Amazon. Donc Oui, bon, et à prix ça vraiment, c'est cool. voilà, et prix vraiment démocratique parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'études et à ce genre de livres, bien évidemment. Ah, bah c'est génial. Voilà, c'est un scoop pour la team et pour mes membres, tu vois. Donc c'est voilà, je recommande d'autant plus. Et moi, j'irai les lire parce que ce sont des sujets vraiment importants. Tu as raison, dans la vie de tous les jours et pour nos basketteurs. Et c'est ce qu'on va Oui, voir oui, oui. justement. Hein, c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Alors la question que la semaine dernière le coach David m'avait posée, c'était comment améliorer l'investissement de joueurs qui se croient meilleurs que ce qu'ils sont, sachant que c'était des seniors départementaux et que malheureusement, cette problématique-là, j'avais déjà entendu d'autres coachs m'en parler. Donc, c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense, et aussi bien les coachs pour régler ce problème-là que les joueurs qui peut-être sont dans des équipes de ce type-là. Alors, bon, il est clair que quand les jeunes, c'est beaucoup plus facile pour travailler avec eux parce qu'on va dire qu'ils débutent dans la vie, n'ont pas de passé, n'ont pas de vécu. Donc voilà, ils sont à l'écoute et on peut les diriger. Maintenant, quand on a déjà un certain âge et qu'on a déjà un vécu, évidemment, on a construit sa personnalité, on a construit son caractère et vous avez des gens obtus qui ne sont pas prêts à s'ouvrir et changer. Donc, vous avez un nouveau coach qui lui a certaines techniques, il sait très bien qu'elles sont vraiment valables et va lui dire, écoute, voilà, il voudrait mieux que tu fasses comme ça et mieux que tu fasses comme ça. Certaines personnes seront ouvertes et effectivement vont dire, ok, d'accord, je suis à l'écoute, pourquoi pas. Il faut toujours apprendre aussi la critique comme quelque chose de positif. Maintenant, vous avez certaines personnes qui sont refermées, qui sont repliées et qui disent, ah non, moi je suis comme ça et je ne changerai pas. Et donc, évidemment, moi je
C'est vraiment suite à un vécu et la personnalité de la personne. C'est pas toujours évident de changer quelqu'un, surtout quand il est déjà senior. Et puis bon, vous avez, voilà, tu as un coach qui est peut-être plus jeune aussi, et l'autre va se dire, attends, qu'est-ce que lui jeune va m'apprendre? Non, ouais. Voilà, c'est une question d'ouverture d'esprit. Moi, je lui avais dit que, alors, j'avais dit effectivement qu'ils étaient trop vieux, donc c'est exactement ce que tu as dit au début. Enfin, t'as pas dit comme ça, mais tu as dit qu'effectivement c'était plus facile avec des jeunes. Et puis, et moi, alors, je lui avais conseillé la problématique, c'était que, en fait, finalement, la problématique n'était pas du basketball, mais qu'il fallait régler des choses mentalement avant afin de pouvoir ensuite faire du basket. Donc je lui avais conseillé, moi, de faire justement des choses ensemble avec ses joueurs, mais qui ne soient pas du basket, pour pouvoir les faire réagir et peut-être créer une sorte d'électrochoc pour changer la donne. Qu'est-ce que t'en penses? Bien entendu, c'est une question de remise en question. Voilà, où la personne est capable de se remettre en question, ou pas du tout. Mais voilà, je veux dire, il y a des gens, mais même en jeunes aussi, hein, attention, hein, il y a des jeunes têtus qui ne veulent pas se remettre en question, qui savent déjà tout, voilà, ils ont une balle en main, ils savent faire du streetball, ils savent déjà tout, on n'a plus rien à leur apprendre. Bon, voilà, je veux dire, mais c'est vrai que, bon, voilà, les jeunes, on peut encore les changer, mais les seniors, c'est très compliqué. Mais effectivement, faire un travail en dehors du basket, parce que je suis persuadée que ces gens-là, qui ne sont pas ouverts à la remise en question, ont des problèmes dans la vie de tous les jours aussi. Donc, ce n'est pas qu'effectivement que dans le basket, c'est principalement un problème de vie de tous les jours. Et donc, c'est une question de pouvoir se remettre en question. C'est ça. Alors, ça me fait penser au grand débat qu'il y a eu dans mon groupe la semaine dernière où on voit des gens qui ont des croyances sur le tir. Il faut se mettre face au cercle. Il faut pas baisser sa balle. J'avais expliqué que ça fait tellement longtemps qu'on leur dit ça qu'ils en sont convaincus. Et là, le problème que le coach David a, c'est ça. C'est des gens qui n'arrivent pas à s'investir dans un groupe parce qu'il a des joueurs qui n'ont pas été bien formés, je pense. Mais surtout mentalement, c'est plus un problème d'équipe. Parce qu'il me disait, il a essayé de mettre en place du jeu sans ballon. Je lui dis, oui, c'est une très bonne idée. Mais je suis sûr que lorsque tu remets le dribble, rien n'a changé. Parce qu'ils reviennent à leurs habitudes. Alors les automatismes. Ton exercice est très bon et aurait parfaitement marché avec des jeunes, mais avec des seniors qui, de toute façon, en fait, ont une dynamique d'esprit qui ne peut pas fonctionner avec ce que tu demandes, eh bien, c'est foutu d'avance. Tu peux bien mettre tous les exercices du monde de basket. Le problème n'est pas du basket. Non, c'est pouvoir aussi accepter la critique. Parce que bon, voilà, on vient te dire, maintenant il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, quelque part l'autre va dire, oui, donc il critique ma façon de faire. Ma façon de faire n'est pas la bonne. Non, c'est pas ça du tout. Mais il faut pouvoir s'ouvrir aussi. Dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde scientifique, dans le monde du sport, je veux dire, il y a des évolutions tout le temps. Comme tu dis toi-même, avec les pieds, effectivement, comme ça, et descendre la balle. Je veux dire, maintenant l'autre, il va se dire, moi j'ai ma façon de jouer, qui est pour moi la meilleure. Non, il faut pouvoir accepter effectivement qu'on peut apprendre autre chose. On apprend à tout âge. Mais tout j'ai effectivement fait. J'ai vu les commentaires sur. c'était pas. C'était un peu chaud. Mais bon, quand on sait, toi comme moi, pourquoi les gens ont ce genre de réaction, on le prend pas mal, alors qu'on pourrait le prendre mal. Si on ne savait pas comment fonctionne le cerveau humain. Donc moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que j'essaye de leur faire comprendre qu'ils doivent temporiser et essayer de vraiment de réfléchir et de regarder en fait la réalité en face. Parce que tout à fait, oui. Sur ces points-là, par exemple, c'est tellement... Je veux dire, tous les gens qui disent l'inverse voient des tonnes de matchs en live à la télé où justement les joueurs ne font pas ce que croient qu'ils font. Il suffit de regarder, en fait. Il suffit de regarder la réalité du jeu pour s'apercevoir que peut-être qu'ils se sont trompés et que non, effectivement, c'est différent. Intéressant aussi, par rapport au côté mental, puisque tout est un problème du côté mental, c'est de, quand il y a des exercices ou quoi, ou un match, c'est de le filmer. Il doit se voir. Oui. Il se voit, et là, il peut peut-être de lui-même reconnaître ses erreurs.
Tu vois, par exemple, on va dire, bah voilà, regarde là, tu as plutôt descendu la balle là, tu es trop à gauche, trop à droite, regarde, tu n'es pas axé au panier. Est-ce que tu te rends compte qu'il faut vraiment jouer avec des questions? Parce qu'en ouvrant les questions, c'est lui qui va commencer à se remettre en question. Parce que si tu le critiques et tu le pointes du doigt, il ne va pas vouloir t'écouter. Mais si par contre, par exemple, David filme le joueur et lui pose des questions, lui, il va être obligé de se remettre en question. Parce qu'effectivement, dire « tu vois, ça t'a mal fait, ça t'a mal fait bah, », là, tu l'agresses en fait quelque part. Et là, bien sûr, il va se retourner en disant « non ». Par contre, si tu lui dis « tiens, est-ce que tu penses pas que, qu'est-ce que tu en penses là ?» Et est-ce qu'il s'oblige à se remettre en question puisqu'il doit répondre à des questions? C'est une idée. Ah non, non, mais c'est très important, effectivement, parce que déjà, ces personnes sont dans des croyances. Si tu vas frontalement contre eux, ça m'est arrivé, puisque les gens qui regardent mes vidéos, des fois, le prennent très mal. Hein, mais des fois, ils réfléchissent. Alors certains, du coup, ne veulent pas réfléchir, refusent tout en bloc, et puis restent dans leurs croyances. Et d'autres s'en remettent en question, et du coup, me remercient après. Après m'avoir insulté, ils me remercient plus tard. Oui, parce qu'ils se sont remis en question plus tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais effectivement, sur les jeunes, tu vois, je filme toujours les jeunes sur leur tir, justement, lors de mes camps, pour qu'ils se voient tirer. Parce que tant qu'on ne s'est pas vu tirer, on ne sait pas vraiment, surtout quand on a 10, 12 ans, hein, on n'a pas de... On ne peut pas avoir des yeux en dehors de son corps et de se voir, voilà, avoir une vision de son schéma corporel vraiment très affine. Et lui, effectivement, le coach David, tu as raison, il devrait filmer un match ou un entraînement et leur montrer, sans les agresser, en leur disant juste « Est-ce que vous pensez sur cette action que… » Et même sans viser personne, tu vois, sans viser personne. Parce que les adultes sont vraiment… très sur la défensive. Oui. Leur dire, voilà, est-ce que dans cette action collective, on n'aurait pas pu faire mieux, les gars? Là, ils vont commencer à parler, à dire, ah oui, peut-être que... Et ils vont finalement aussi régler ensemble des problèmes. Parce que les adultes, d'accord, pas comme des enfants où tu dois tout diriger en tant que coach. Les adultes ont un certain vécu, ils doivent s'auto-diriger aussi. Et il doit y avoir une hiérarchie qui se fait parmi eux. Parce qu'ils sont adultes et que justement ils sont capables de s'apercevoir de choses. Et du coup, ben, y en a peut-être quatre qui vont dire bah, écoute, toi, gars, t'as déconné quoi. T'aurais jamais dû faire ça. Et c'est même plus le coach qui va se mettre en porte-à-faux. Mais oui, bah oui. Ça va être les autres qui vont pointer du doigt une action totalement à l'inverse de ce que l'équipe aurait besoin quoi. Mais donc, franchement, il faut vraiment lui proposer de filmer un match. Et alors, on peut même l'aider, s'il veut, à préparer, en fait, si tu veux, cette introduction à la vidéo. Parce que, bon, il ne faudra pas non plus qu'il… Il y aura la manière de faire, la manière d'introduire la vidéo, les questions à poser, pour surtout ne pas attaquer, montrer du doigt. Parce que ça, c'est dans la vie de tous les jours, hein, quand tu te replies, quoi, parce que bon, voilà, là, c'est plus une critique positive, ça devient vraiment de l'agressivité. Tout à fait. Bah, écoute, de toute façon, je sais qu'il va regarder la vidéo, donc. Ah, bah voilà. Il nous répondra et on pourra peut-être faire une troisième vidéo en fonction de ce qu'il aura pu mettre en place, parce que ce sont des sujets très intéressants, donc ça serait bien. Oui.